On va encore flipper sa race encore une fois. Hey les gens, c'est Viperus et puis on est de retour sur Penumbra Bloodbra. C'est parti. Donc si vous vous en rappelez pas, la dernière fois qu'on a joué à Penumbra, on était dans un flash. Oh putain, c'est exactement ça, on était dans un flashback. Et puis il y avait un espèce de larve, je sais pas quoi là. Oh putain, oui, c'est ça. C'est ça. Merde, putain, ça sauvegardait jusque. Man. Putain, j'ai encore oublié que c'était un flashback. Putain, mais vous êtes sérieux là, sauvegarder là? Non, mais vous êtes des bâtards, sérieux en vrai. Hein. On n'avait pas le droit de sauvegarder ici. On a fini le flashback, on est obligé de continuer. À la fin du flashback, je suis pas assez. Pourquoi je fais des voix bizarres? On continue. Et j'espère vraiment qu'après il y aura pas de trucs what the fuck ou je sais pas quoi, parce que là honnêtement ça a complètement changé hein. On est passé de l'horreur au what the fuck. Voilà, normalement on reste sur de l'horreur. Moi je veux flipper, je veux pas avoir des illusions. Enfin des illusions plutôt, pas des illusions, parce que des... Voilà, vous avez compris quoi. D'accord. Hello. Oui, mais ça on l'a déjà vu ça. Can you hear me? Ouais, j'en regarde vite fait direct. Moi, ne me regardez pas, ne me jugez pas. Hein. En vrai, je suis tout seul. Ah, il faut se rappeler, je suis seul. Là, ça c'est franchement c'est le truc le plus important. Faut que vous vous rappelez que je suis seul. Là, j'ai pas d'amis. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'amis pour finir ce jeu vidéo. Oui, même Mental Gameuse, elle peut pas, donc c'est un peu dommage. Mais du coup, je sais pas ce qu'il faut faire. Et je crois qu'on va devoir. Ouh, j'ai cru que j'étais mort. Non, c'est bon. On est toujours vivant. Et là, je sais pas pourquoi. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu un bruit stressant en maudit. Pourquoi? Putain de merde. Je vous l'ai dit, cet endroit il m'inspire pas confiance et je pense qu'on va se faire coincer. Il va y avoir une créature de l'espace qui va sortir ou je ne sais pas trop quoi, mais ça fait trop peur cet endroit. Allez, remonte. Heureusement, putain, il y a une échelle. Heureusement qu'il y a une échelle. Vas-y, remonte parce que je sens que c'est comme Amnesia là. Vous savez que c'est les créateurs d'Amnesia qui ont fait ce jeu. Je sens le coup foireux de la flaque d'eau qui marche tout seul. Ou plutôt du mec invisible qui marche tout seul dans la flaque d'eau. Parce que c'est plutôt ça. C'est pas l'eau qui a. Vous voyez, l'eau n'est pas vivante. Ou du moins. De toute façon, l'eau, on la déguste, on la boit, donc on s'en bat les couilles. Ah oui, c'est vrai, il faut mettre. Oui, c'est vrai, putain, il y a juste à faire. Voilà, tu actives la balle pour finalement. L'eau se relève pour pouvoir finalement passer par là-bas. Bah oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut se noyer? Eh écoutez, je ne sais pas. Hein. Est-ce que c'est possible hein, c'est une possibilité. Dans ce jeu, on peut tout faire, j'ai l'impression. Donc, oui, exactement. On peut nager à l'infini, c'est ça. C'est ce que je veux. Oui, du coup, je voulais vous dire, ouais, franchement, c'est très important. Je suis seul pendant cette vidéo. Du coup, je risque de flipper sa race, mais plus que d'habitude. Parce que putain, quand j'étais avec Mortal Gameuse, c'était bien. Honnêtement, merci à toi du fond du cœur que tu m'as accompagné parce que bon, dommage que tu peux pas faire ça là. Parce que c'est vrai que Mental Gameuse, elle a une vie aussi, hein, elle est occupée, elle est pas comme moi. Moi, je passe mon temps à flipper comme une grosse merde. Je suis un no life, hein, tout le monde le sait. C'est pour ça que je fais des vidéos. Et aussi, c'est normal si vous voyez qu'à la fin de la vidéo, et ben, je transpire de fou, piqué de l'eau partout, parce qu'au fait, faut savoir que je suis toujours dans le noir. Du coup, toute ma chambre est isolée, elle est toute fermée, tout est verrouillé, enfin peut-être pas verrouillé, mais tout est fermé. Du coup, il fait chaud, mais un truc de fou, il fait hyper chaud et je pense qu'à... Oh ah si, on peut se noyer. Merde, putain, je suis con depuis pendant que je vous parlais, j'étais en train de me noyer comme une grosse merde. Putain. D'accord, mais du coup, je sais pas ce qu'il faut faire là. Attendez, mais il y a pas d'échelle? Mais si, il y a une échelle. Qu'est-ce que c'est cool? Bah attendez, il y a même pas de. Mais ils sont cons. Mais ils sont cons. Il y a une échelle ici, mais il y a pas d'échelle à droite. Et ici. Mais what? Quand tu... C'est bien là qu'il faut passer. Oui, mais t'es con, mais monte. Je vois rien. Non, attendez, écoutez, je vois rien. Je vois rien. Ah! Oh! Ah oui, quand même! Ah bah c'est mieux! Ah, on va... Là, il fait jour! Il fait jour! Juste ça, il fait jour! Ah oui, quand même! Bah voilà, on va pouvoir finir cette énigme. Bah comme il faut. Je pense que c'est ce que je vais faire. C'est que quand on aura des énigmes ou qui fait vraiment sombre et on voit rien... Et bah du coup, pour que ce soit plus visible et que du coup ce sera plus facile, je vais augmenter le gamma. Bien entendu, quand j'aurai fini, je vais baisser le gamma pour qu'il fasse sombre, pour que je fume plus, c'est normal. Mais je veux juste monter là, mais c'est pas si compliqué que ça. Je viens juste de commencer la vidéo. Qu'est-ce que c'est cool, là? Attendez, mais pourquoi il y a autant de coffres? On s'en bat les... C'est vraiment con. Avoir autant de coffres ici, là. Ah!
Ah d'accord, mais vous êtes con, mais putain, d'accord, donc exprès parce qu'il n'y a pas d'échelle, ils ont voulu qu'on se fraye un chemin avec ces putains de coffres à la con là. Ah mais ça va être compliqué ça. Parce que du coup faut que ce soit aligné. Et on a. Ah on a cette coffre. Oh bah oui. D'accord, on a. C'est bon. Ah non mais c'est bon, j'ai compris. J'espère juste que ça va être pas difficile à aligner tout ça. Hein. Parce que bon, faut que vous sachiez que c'est pas. Le système est un petit peu difficile. Hein. Le système de manipulation des objets dans ce jeu. Il est. Je trouve qu'il est moins travaillé que Amnesia. Alors après vous allez me dire c'est normal, le jeu est bien plus ancien qu'Amnesia, du coup c'est sûr Amnesia il est parfait. Et Penumbra aussi. Et d'ailleurs je trouve que c'est pas logique parce que Amnesia comme j'ai tellement joué, j'y ai plus peur, mais Penumbra putain de fou là, je flippe, voilà quoi c'est. Mais après c'est vrai qu'au niveau du système de manipulation des objets, ils auraient pu faire mieux quoi. Si le jeu est difficile, je crois que c'est juste pour ça. Juste parce que c'est totalement pas maniable. Mais regardez, je peux pas aligner les objets. Ces coffres ne sont totalement pas alignés. C'est con, ils sont pas alignés du tout. Putain, je crois que je vais vous passer ce moment parce que là je galère trop. Et là, le coffre par là. Alors écoutez, on va essayer. Je dis pas que ça va être que je dis pas que je vais réussir. Mais non, mais là, c'est faisable. Ah! Là, je suis seul comme ça. Là. Oh ouais! Oh putain, j'ai réussi. Attends. Une bonne peur ne se réussit jamais s'il fait pas noir. Ah, là, il fait un peu plus noir, quand même. Si vous voulez que je flippe, quand même, c'est un peu le but de la vidéo, de flipper. Si je flippe pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ce délire avec les coffres, là? Y a que des coffres de partout, wesh. Attends, vas-y, monte. Mais non, mais c'est pas sérieux. J'ai vraiment besoin de ça. Pour monter. Mais c'est con. Mais c'est juste de la merde. Pourquoi je peux pas monter comme ça? Ah d'accord. C'est facile de monter, putain. Il a pas de force, hein, je crois. Ah oui, c'est vrai. Faut oublier qu'il a pas de force. Oh non! Non! Oh non! Le retour de l'hôpital. D'accord. Donc ça, c'était l'instant égout. Voilà. L'instant qui pue la merde. Maintenant, bah, c'est l'instant qui fait peur. L'instant, je vais ouvrir cette porte et je vais me faire chier dans le cul. Oh non. Oh, des batteries. Des batteries par contre. Non, parce que la dernière fois que j'ai pris un truc, la seringue, vous vous rappelez, hein, y avait le monstre. Alors du coup, maintenant, j'ai peur à chaque fois que je prends des objets. Oh non, j'aurais des jours meilleurs. Bah, c'est sûr que si la vitre, elle était pas cassée, enfin, je veux dire, le miroir, t'aurais des jours meilleurs. Enfin, en tout cas, non, peut-être pas, parce que je suis sûr qu'il est moche. Enfin, je veux dire, tellement qu'il est allé dans des égouts, il s'est incrusté dans des mines, il doit être mort. Il a pas pris de douche pendant combien de temps, lui? Sérieux, putain, c'est vraiment dégueulasse ici, hein. Allez, hop, tu ouvres. C'était les toilettes, oui. Je vais pas regarder. Pourquoi j'ai peur d'ouvrir cette porte? Pourtant, il y a ça. Hein. Pourtant, il y a la sauvegarde. Hein. Mais pourquoi c'est bleuté comme ça? Il fait jour. Hein. Non, il fait pas jour du tout. Oh, c'est une... c'est une maison. Ah, non, c'est l'un des logements de ceux qui travaillent dans l'hôpital, je pense. Parce qu'on est toujours à l'hôpital. Hein. C'est une souris. La porte a l'air de... D'accord, donc on va d'abord sauvegarder parce que là franchement attends j'ai. Alors après le flashback, après cette énigme de merde des égouts, après tout ça, t'es obligé de sauvegarder là. Il y a quelque chose de rassurant dans ce sentiment, comme si j'avais une raison de moins de m'inquiéter. Bah non, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, hein. Franchement tout se passe bien ici, t'es dans un hôpital, les gens vont t'aider, c'est nickel. Hein. Alors là, au niveau des batteries, on est au top. Au niveau des fumigènes aussi, mais on s'en va les couilles. Putain, il y a des bruits stressants ici. Ah d'accord. Donc on a besoin du... D'accord, donc je crois qu'il faut rétablir le courant. Et du coup, ça doit se passer par là. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Oui, il n'y a pas de courant. Bah alors remets le courant, t'es con. Bah s'il n'y a pas de courant, à ton avis. Moi, quand mon ordinateur, il marche pas, je cherche une solution, bah tu fais pareil. Allez. Mais putain, mais... Ah, oh, il y a des bruits stressants. Mais le monstre, là, il est par là, mais je suis sûr. Mais franchement, attendez, non mais... C'est pas possible de faire une ambiance aussi flippante que ça. Pourquoi? L'ambiance est plus flippante qu'Amnesia, c'est ça que je me demande. C'est quoi? Ils se sont dit que dans Amnesia, pour le nouveau jeu qui vont sortir de Frictional Games, ils se sont dit, attends, ils ont trop flippé sur Penumbra, on va un petit peu changer l'ambiance pour que ce soit beaucoup plus pesant, posé, parce que même si là, l'ambiance elle est posée, je trouve qu'elle est flippante quand même. Enfin, je sais pas, il y a... Ah, d'accord, j'aurais dû voir. Oh, l'interrupteur, mais il est juste là, d'accord. Alors là, j'ai tout cassé, parce que moi, écoutez, j'ai jamais touché à l'électricité. Oh non, c'est nickel, re-sauvegarde. Là, mais what? Attends, mais il y a la lumière. J'ai rétabli le courant, là, c'est bon. Et qu'est-ce qu'il me raconte? Ah, peut-être, on peut peut-être allumer la télé.
voir ce qui se passe dans ce monde de fous, pourquoi il y a une épidémie qui se propage, non? C'est peut-être celui-là, alors. D'accord, donc en fait, il y a de l'électricité pour chaque truc. Ok, arrivé, vidéo chat. On va voir quelqu'un. Docteur, ma belle. Waouh, vous avez l'air de quelqu'un qui a dû ramper dans un égout pour arriver ici. Bon, je suppose que je suis flatté. Salut. Je suis ma belle Swanson. Et, je vous parie que dans un autre épisode, on va la baiser. On va la baiser. Bonjour, vous m'entendez? Je pense que la transmission est la seule façon. J'ai une webcam. Faites une grimace si vous pouvez m'entendre. Voilà. Oh, j'espère que je vois pas screener. Je suis d'accord, quoi que vous disiez, madame. Il y a un psychopathe dans ce jeu, je crois. C'est Red, oui. Nous avons libéré un virus qui nous a exterminés. Il y a 3 semaines, nous avons essayé de nous enfuir par les mines. Mais cela n'a pas marché de la façon de... ta gueule, j'ai pas réussi à lire. Je pense que l'un des ouvriers inuits a réussi, mais certains ont été pris. D'autres ont paniqué et se sont perdus. J'ai couru, et quand je me suis arrêté, j'étais seul. Oh, un autre symptôme. Pourquoi je fais une voix de mec alors que c'est une meuf? La seule chance que nous avions est un homme qui s'appelle Howard. C'est mon père, connard. Il prétend avoir trouvé une parade contre le virus. Oh, cool. Ces notes sont répertoriées à la bibliothèque. Je perçois encore des signes de vie dans le quartier. Je savais pas que ça existait, ça. Vous devez trouver un survivant et accéder à la bibliothèque. Oh, et méfiez-vous de ce médecin, Richard Emines. Il se comportait bizarrement la dernière fois. Ok, t'inquiète pas. Je te baiserai. Et quoi d'autre, ne savez-vous pas? Voyons, qui était dessiné, présent et représenté. D'accord, mais on voit pas sa tête. Avez-vous dit quelque chose? Vous voyez, les symptômes que nous connaissons rappellent la paranoïa et la distorsion sonore. Oh, et un autre symptôme est le sentiment de déjà-vu. Ça suffit. Je n'en peux plus. D'accord, donc c'est bien moi qui parle, au fait. Non, je pensais que c'était un monstre. Non, bah non, c'est juste moi. Bon, en fait, même moi, je ressemble à un monstre, alors. Eh bien, je pense que c'est tout ce que vous devez savoir. Je vous envoie quelques travaux de recherche sur le virus, et j'ai pris une note jusqu'au cas où. Coucou. Ok, c'est ça? Il fait chaud. Non, attendez, je transpire de fou. À la fin de la vidéo, je vais dégainer. Pourquoi je fais ça? Ah. Si je fais ça, vous me voyez? Ah, ça fait peur, hein. Ah, ça fait peur dans le noir. Bah oui. Ah, je sais pas si vous me voyez. Parce que là, il fait chaud avec la lumière. Attendez, si vous voulez flipper, eh ben, vous pouvez plus voir ma tête. Alors, vous allez flipper ça. Et attendez, je vais faire ça. Ah oui, je vais faire ce défi, wesh. On voit plus, je suis vraiment dans le noir, là. Attends, j'ai éteint la lumière, là, ça fait trop peur. J'ai flippé. Oh, c'est la première fois que je fais ça. Vous me voyez plus du tout. La caméra, elle ne sert plus à rien. Elle ne sert juste à remettre du noir. Mon père, il est pas loin. Mon dieu, je flippe de... Oh, je suis vraiment dans le noir. Mais non. Vas-y, casse-toi. Oh non. Alors, infecté. J'ai frémi quand j'ai entendu ce... Mais il y a beaucoup de fautes d'orthographe, dis-moi. J'ai entendu ce mot associé avec moi. Ça me semblait encore une raison supplémentaire pour retrouver mon père. Entendre une voix amie n'avait jamais fait de mal. Mais à ce stade, j'étais sûr qu'elle était devenue folle. Oh, alors là, on est à l'hôpital. Si nous devons continuer à partager cet espace mental, je pense que je devrais avoir un nom. Étrange, il est si rare d'avoir l'opportunité de se choisir un nom et pourtant je me sens comme devant un mur. Aucune idée. Qu'est-ce qui se passe là? Si nous devons continuer à partager cet espace mental... Je suis con, j'ai juste de le dire. Oh les cons. Il y a tellement de choses stockées dans votre cerveau. Avez-vous réalisé qu'il y a une section entière réservée pour les titres de films? Vous avez vu 3103 films et demi? D'accord, il est chelou. Non, moi je peux pas regarder 3103 films et demi. Théoriquement, c'est pas possible. Théoriquement, il faudrait plus de 300 000 ans pour... Vous avez juste la première moitié de La Vie est Belle. Comment est-ce que ça se finit? Je ne saurais jamais. Bah, disons que La Vie est Belle, c'est une série que j'aime pas trop, donc... J'aime pas trop cette série. Vous savez, Clarence, ce n'est pas un mauvais choix. C'est la meuf que je dois baiser. Je suis une sorte d'ange gardien. Bon, bah, si tu le dis. Joséphine! Hey, Joséphine, es-tu où? Mon ange gardien! On peut aller dedans? Soit c'est fermé, soit c'est bloqué. Dans les deux cas, je ne vais pas passer. Ouais, du coup, je crois que je vais arrêter la vidéo là parce que... Bah disons que ça va faire trop flipper. En fait, j'ai plus envie de... On est dans le retour de l'hôpital. Je m'avais dans une porte, je savais même pas où on pouvait y aller. Massacré, contaminé, terrifié, et maintenant j'entendais des voix.
Ouais, comme si tout ici était devenu fou. Moi y compris. Sans un souci, je décidais de chercher un passage vers la bibliothèque. Non mais sérieux, au fait, c'est pas que j'ai flippé quand j'ai ouvert la porte, mais j'ai pas visité, putain. Mais laisse-moi visiter, merde là. C'est, j'ai pas, je suis dans un endroit inconnu, je passe dans des portes, je sais même pas, dans des salles, je sais même pas qu'est-ce que c'est. D'accord, donc en fait, finalement, je reviens à mon endroit initial, totalement. D'accord, donc j'ai flippé pour rien. D'accord. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, la vidéo est courte, un petit peu comme ce que tu penses. C'est normal parce que bon, on est dans le retour de l'hôpital. Voilà, ça y est, on est enfin de retour. Et surtout c'est parce que j'ai sauvegardé. Par contre, je veux juste vous poser une question. Est-ce que quand j'ai éteint la lumière comme ça là, vous voyez, là comme ça, je suis totalement dans le noir le plus total. Vous me voyez pas du tout. Bon alors si vous me voyez, c'est qu'il y a vraiment un problème au niveau de ma caméra, parce que bon ma caméra elle ne peut pas filmer ma tête dans le noir. Je suis désolé, mais je sais pas si d'autres caméras peuvent le faire, mais moi non. Hein. Et puis étant donné que j'ai pas de flash, ouais c'est vrai qu'il y a des caméras qui ont des flashs, et ça je pense que ça pourrait me faire servir pour des let's play d'horreur. Mais là vous me voyez pas du tout du coup je parle dans le vide totalement, enfin surtout que on voit pas. Alors du coup justement je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que ça vous ferait beaucoup plus flipper et beaucoup plus vous immerger dans l'histoire si j'éteins toutes les lumières et que vous me voyez pas du tout? Bon du coup vous verrez pas ma réaction, mais bon il n'y a pas besoin de ma réaction parce que vous aussi vous allez dans l'action, vous allez flipper comme moi, et du coup je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous voulez justement que je sois dans l'heure totale? Voilà, j'attends tout ça dans les commentaires. Bref, vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook comme d'habitude pour savoir quand est-ce que je mets une nouvelle vidéo. Rejoignez-moi aussi sur ma page Twitter pour discuter avec moi, @stiradiba. Je vous laisse deviner, hein. Partagez cette vidéo à votre bel entourage et abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas comment finir cette vidéo. Ou trop, allez.